Ouais, bonjour à tous, c'est Mathieu Moulin. Alors précédemment, on a tué les boss et maintenant on va se casser de sauvegarde de merde. Avant de mourir. Vite. Par là. Vas-y. Vas-y, moi je me casse. Souhaitez-vous monter? Oui, bien sûr, monter. Il faut démarrer cet appareil. On récupérera ensuite vos amis et on quittera cette planète. En ce temps, dans un endroit très très lointain... Ta fiole, moi j'ai un plus gros vaisseau. Putain, et ça me rappelle le film avec Mel Brooks. Avec le putain de gros long vaisseau trop long. Paris s'essent en défense devant notre assaut, Seigneur Malak. Il n'offre aucune résistance. Tu bégayes, mec. La ville est en ruine. Reprenez les bombardements, commandant. Que cette planète pathétique soit rayée de la galaxie. Bon bah je sens que la planète a Dieu. Plus puissant que l'étoile noire. Ouais. C'était une super cinématique. Ça aussi. Allez, vas-y, on décampe. En vitesse. On n'oublie pas les autres, hein, parce que sinon ça fait un tas de personnages en moins. Ah, une pluie de pilules rouges! Calculez la route vers Dantooine. Il y a là-bas une enclave où nous pourrons nous réfugier. Chasseurs en approche! Vite, aux tourelles! Il faut contenir les chasseurs le temps d'entrer les coordonnées hyperespace dans l'ordinateur. Vas-y, j'ai fait ça toute ma vie, hein. Ou pas. En fait, j'ai menti. C'est grave, docteur? Bien sûr que c'est grave, Hugo! On va tous crever! Oui, mon docteur, il parle comme ça. Vas-y, piou, piou, piou! Moi, j'en ai touché un. Oh putain! Ouais, il essaye de shooter les gros trucs pour faire des manières. Vas-y, je te bounique. N'empêche, ce jeu propose plein de trucs sympas. Eh, toi, je te nique. Et ceux qui viennent de me tirer dessus là. Bon, voilà, je l'ai shooté là, t'as vu. Où ça? Ouba. Niqué. Déjà, mais je faisais que de commencer. Ah, hein. Regarde, c'est de la 3D, Harry. Regarde, Harry, je touche le vaisseau. C'est ainsi qu'on arrive à Tatooine, parce que cette putain de planète est dans tous les Star Wars. Le running gag. On dirait que cela fait une éternité que je n'ai pas posé. Bon, c'est sa cousine. Alors que seulement quelques mois se sont écoulés. Nous devrions être à l'abri de Malak ici, pour l'instant en tout cas.
En sécurité? Vous avez vu ce que sa flotte était capable de faire? Il n'y avait plus un seul bâtiment debout sur Taris. Ils ont transformé la planète en un tas de décombres. Même les Sith y réfléchiraient à deux fois avant d'attaquer Dantooine. Il y a de nombreux Jedi ici, dont plusieurs des plus puissants maîtres de l'ordre. Une puissance considérable est rassemblée en ce lieu. Nous allons pouvoir nous ravitailler et récupérer un peu. L'académie est un lieu de guérison. Je suis d'accord, hein. Je crois que nous en aurons tous besoin après les épreuves que nous avons traversées. Vous avez peut-être raison. Ce n'est pas simple d'être témoin de la destruction d'une planète entière. Je ne sais pas si Mission s'en remettra. Elle trouvera un moyen de surmonter son chagrin. Elle est plus forte qu'elle en a l'air. Il faut juste lui laisser un peu de temps. À présent, je dois parler avec le Conseil. J'ai besoin de leur avis à propos des derniers événements. Je vous retrouverai ensuite près du vaisseau. D'accord. D'accoudic. Est-ce qu'on va rencontrer Anakin? Mais non, c'est pas assez tard. Non, pour lui, c'est très bon. Et puis c'est plus la même continuité, Disney l'a dit. C'est pas tout ça, mais je commence à avoir la dalle. J'ai brièvement parlé avec le conseil. Ils veulent vous voir. Nous devrions partir tout de suite. Une audience auprès du conseil? Surprenant pour quelqu'un qui n'est même pas Jedi. Et c'est quoi cette histoire, Bastila? Je suis désolée, Cass, mais je ne peux rien vous dire. Tout ce que je vous demande, c'est de faire confiance à la force et en la sagesse du conseil. Je n'aime pas... Je fais confiance en la sagesse de mes couilles, là! J'ai un problème avec les maîtres Jedi à cause de moi. Nous ferons ce que vous demandez. Attendez pour l'instant. Putain, les bugs dans les dialogues. Ils nous attendent. Je vais te guider jusqu'à la chambre du conseil. Vous ne pourrez pas changer tant que vous n'aurez pas parlé au conseil. Ouais, c'est du chantage là, monsieur. Je ne suis pas content. Je ne suis pas de ce genre là. Hein. Sagridou. Compétences. Alors, mes compétences. J'ai des compétences. Persuasion. Et bien sûr, oui. Sécurité. Et bien sûr. Premier soin, bien sûr. Discussion. Monsieur Burns, je crois que vous êtes viril. Voilà. À vous de dire si qui d'entre moi et Jérémy le fait mieux, mais je pense que Jérémy quand même le fait mieux. Alors, vous voici désormais propriétaire de les Bandwalks. C'est notre nouveau vaisseau spatial. Ah, je suis en bas, vous pouvez vendre au monde de votre choix. Je veux aller sur Terre. Malheureusement, vos choix sont plutôt limités pour le moment. Merde. Le conseil des Jedi refusant de vous laisser quitter Dantooine. La plupart des membres de votre groupe resteront à bord du vaisseau pendant que vous explorez Dantooine. Si vous avez besoin d'eux, vous savez où les trouver. L'une des soutes qu'on... Tiens, un établi, des outils nécessaires pour les armures. Ok, il semblerait également que David ait rangé un fonceur dans les bonnes hooks. Juste avant que vous le voliez, peut-être vous permettra-t-il de gagner de l'argent si vous trouvez un endroit où on organise des courses. Genre Tatooine. Carte! Reviens, carte! Bonjour, l'Urbala Wala. Kumo, Noba Mulera, Tikun. Oui. Seulement si je gagne quelque chose. Sa fillette a été kidnappée par ces maraudeurs. Les maraudeurs. Mon Dieu, Monsieur Sinistre est pas loin. Sacha, comme dans l'autre jeu. J'ai mes génères qui le posent. C'est vous qui êtes entré encore en vie. Ils sont pas demandés, ouais. Tu es captif, ok. Je regrette, mais j'ai... Offrez-vous une récompense en échange de ce renseignement. Ok. Je regrette, mais j'ai une qui vous parle. Voilà, pause. Alors, attends. C'est
de... Non. Ok, je viens de... Ouais, les Jedi, ils servent à rien. Ok. Y a-t-il autre chose qui soit digne d'intéresser? Les chaînes de montagne, ok. J'aurai l'œil des fois que je la vois. Merci. Salam alaikum, alaikum salam. On peut tuer. Ah, je veux tuer des Jedi. Non, c'est pas très bien pour la force, c'est ça. Allez, je m'en fous avec le plaisir. Je savais pas que. J'accompagne Bastila. Ah, dites-moi. Nous avons une. Non. D'accord, pas l'inverse. Ouais. Ouais. La force soit avec. Que la force soit avec toi. Que les couilles aussi. Allez, vous êtes partis où, les gars? Merde, c'est pas bien. Vous là-bas, Padawan. Pourquoi ne portez-vous pas la tenue traditionnelle des Jedi? Vous moqueriez-vous des traditions de notre ordre? Oui. Trompez, je suis pas Padawan, je suis juste Gérard Moussaigne. Bastila, j'ai entendu parler d'elle. On dit qu'elle maîtrise déjà l'art de la méditation de combat. Chose remarquable pour quelqu'un d'aussi jeune. C'est normal, c'est l'élu. Elle semble un peu trop fière de ses talents. Mais vous, vous prétendez ne pas être un Padawan? C'est difficile à croire. La force est puissante en vous. Je sens sa présence. Si c'est une blague, elle est de mauvais goût. L'ordre Jedi n'est pas assez... Mais putain, tu vas me croire, mamie! Je dis la vérité. Veuillez pardonner la froideur de mon accueil. Ce n'était ni très poli, ni justifié. Ok, maintenant on couche ensemble. Tu couches avec moi. Couche, ça marche jamais, putain, cette technique. Que la force soit avec vous. Yo, vas-y, que la force soit avec mes deux sabres. Je vais sortir une variante différente à chaque fois. Ouah, putain, c'est par où? Il y a 15 000 chemins. On va dire que c'est par là. Bonjour. Le conseil a décrété que vous ne pouvez pas quitter l'enclave. Sortie de l'enclave. Ah, vas-y, je vais. Pas de problème. Merde. Bon, déjà, au moins, c'est pas par là. Allez, on y va. On va tout droit. Je suis sûr, il faut toujours aller tout droit. Parce que tous les chemins mènent au conseil des Jedi. Tu sers à rien, Michel. Bonjour, Sola. Qui êtes-vous? Non. Qu'ils y veulent tous me proposer du pizza. C'est un pizza, yeah, yeah. Pizza, what, la, la, la. Pizza, what, yeah, yeah, yeah. Et je peux pas voler le casier de l'autre. Bon, c'était pas par là, direct. Bonjour, Alan. Que voulez-vous? Alan? Je suis ici pour parler au conseil, pas un domestique. Si vous ne me laissez pas tranquille, je ferai part au conseil. Oh, mais c'est que c'est un petit con, lui! Je peux pas lui planter avec une de mes épées? Non, oh. Eh, merde. Est-ce qu'il y a des enfants que je les bute? Je vais te faire un Anakin, tu vas voir. Les gens vont être contents. Mais non, je suis pas du côté obscur de la force, qu'est-ce qui vous fait croire que ça? Bonjour, t'as l'air d'être par là. Ils vous attendent à l'intérieur. D'accord. ils voient le mec en train de se barrer. Eh, salut! Je vous fasse compagnie. Mais attendez, il y a des sièges confortables, moi, là! C'est pas que j'ai de l'arthrose, mais si, quand même. Vérification. Bienvenue, généralement, c'est maintenant qu'il y a des nanas, il est important, des mains davantage sur les trucs. Les Jedi consulaires. Comparer les trois classes. Sentinelle. Droïde d'entraînement. What the fuck?
Attends. Il y a un établi ici. Bonjour. Ah, c'est donc vous qui avez secouru Bastien. Non, c'est l'autre. Il est appelé ici, car nous avons discuté de votre cas très particulier. Je suis Zar, membre du Conseil des Jedi. Les autres membres du Conseil... Tu veux une Zegema pizza? Maître Vandar, et bien sûr le chroniqueur de notre académie, Maître Dorak. Je crois savoir que vous connaissez déjà la Padawan Bastila. Non, c'est faux. Ah si, vous m'avez tendu votre piège, Bastila. Et maintenant, pouvez-vous de moi? Le Conseil des Jedi se trouve pas sur Coruscant? Oui, le Grand Conseil de l'Ordre Jedi se trouve sur Coruscant. Mais nous sommes le conseil qui a la charge du centre d'entraînement ici. Le conseil du centre d'entraînement de l'Ordre Jedi? Qu'est-ce que vous voulez? Bastila nous a informé de la puissance de la force qui vous habite. Nous envisageons de vous former comme Jedi. Je connais pas... Le maître Zar parle un peu vite, peut-être. Nous avons besoin de la preuve indiscutable de votre puissante affinité à la force, avant même... Tu ressembles à Davik, je peux te tuer? Une preuve? Tout le conseil doit bien ressentir la puissance de la force en cet homme. Et je vous ai déjà raconté ce qui s'est produit sur Taris. Peut-être que c'était simplement de la chance. Lui, il doit plus avoir donné, hein. La chance n'existe pas. Il n'y a que la force. Nous sentons tous la puissance encore sauvage et indomptée du compagnon de Bastila. Mais cette puissance s'étant déjà manifestée, pouvons-nous l'ignorer sans inquiétude? La formation de Jedi est longue et difficile, même en travaillant avec un esprit jeune et ouvert. Mais je peux pas garder ma force pour moi, je suis obligé de prendre un des deux côtés. Combien sera-t-il plus difficile pour un adulte d'apprendre les voies des Jedi? Vous êtes si je vous emmerde! Bien sûr, Léa, je souhaite apprendre vos coutumes et ouvrir la voie de la lumière. Normalement, les Jedi n'acceptent pas de former les adultes, même si quelques exceptions existent tout au long de notre histoire. Mais c'est bien d'avoir un gros charisme. Hein. J'approuve, Maître Dorak. Nombreux sont nos propres élèves. Oh, il y a Yoda! Jedi et poursuivre les enfin, son arrière-arrière-arrière-grand-père brun. Avec la mort de Revan? Êtes-vous vraiment certain que Revan est mort? Que se passera-t-il si nous entreprenons de former celui-ci et que le Seigneur des Ténèbres revient? Nous devrions débattre de cette affaire en privé. Bastila, vous et votre compagnon devez partir. C'est une affaire qui concerne le Conseil, seul. Comme vous voudrez. Il parle normalement au moins. Nous allons retourner bien à l'Ebon Hawk en attendant vos délibérations. Et vos élucubrations? Je n'ai rien dit. C'est faux. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est mon autre. C'est pas moi, c'est l'autre. Ah mon dieu, je fais un rêve! Qu'est-ce qu'il rêve encore? Il sur un trip, c'est ça? Attention, cinématique! Digital. Attention. Y'a un mec, t'as bien fumé. Oh putain, je me mange. C'est là, il marche sur sa cape, il se vautre comme une merde. C'est pas pratique d'avoir une cape. Le côté obscur est très puissant ici. Je sens sa présence. Est-ce bien raisonnable? Apparemment, les Jedi ont scellé cette arche. Si nous franchissons cette porte, nous risquons de ne jamais revenir. L'ordre pourrait nous bannir. Est-ce là le prix à payer pour les secrets de la Forge Stellaire? Son pouvoir en vaut-il vraiment la peine? Mais ferme ta gueule! C'est le mec limite, il retire son masque. Mais ferme ta gueule, putain! Je t'en pose, toi, des questions? Non. De plus en plus étrange. D'abord Bastila, on aurait dit qu'elle venait de voir un fantôme, et maintenant vous. Effectivement, avant de partir, Bastila a dit que vous deviez passer voir le conseil. C'est certainement urgent. Ne les faites pas attendre. Encore ? J'ai passé une très mauvaise nuit. Je ne peux pas vous en vouloir, moi-même, j'ai mal dormi. Moi qui pensais que les choses s'arrangeraient une fois
que nous aurions quitté Tarimis. Ça te dit quoi de ça? Non, c'est tout. Elle n'avait vraiment pas l'air bien. D'ailleurs, vous n'avez pas bonne mine non plus. Ça va aller? J'ai pas assez. Allons-y. D'accord. Bon, qui c'est que je prends? Je vais prendre mission. Allez, car. Vas-y. Nouvelle entrée dans le journal. Ça va, des trucs nouveaux, vous? Oui. Que se passe-t-il? Savez-vous quoi que ce soit sur ça? Il n'y a rien de passionnant sur Dantooine. Des plaines, des troupeaux et des petits villages. Rien qui puisse distraire les Jedi de leur entraînement. Le son, il déconne. C'est à peu près tout ce que j'en sais. Laisse tomber, Michel. T'es nul. Sous mon distance, peut-être. Ouais, justement, j'allais le faire. Par la mission. Hein? Oh, désolé. Je pensais à Taris. Je n'arrive pas à croire qu'il soit rasé. J'ai grandi là-bas. Et maintenant... Ouais, c'était drôle, hein? Paiera pour ses crimes ici. Oui, je sais. Les Jedi ont éliminé Revan. Alors j'imagine que les jours de Malak sont comptés, eux aussi. Ça n'enlève rien à la douleur, vous savez. Écoutez, je ne dis pas que je vais arrêter de vivre ou quoi que ce soit. C'est juste que... C'est dur. Je savais que les Sith étaient mauvais. Mais c'est pire que tout ce que j'avais imaginé. Je suppose que c'est pour ça qu'il faut qu'on arrête Malak, non? Plus je traîne sur Taris, plus il y a de chances qu'une autre planète subisse le même sort. J'imagine que tout revient à ça maintenant. Alors ne vous inquiétez pas pour moi, ça va aller. Et si vous avez besoin de mon aide pour affronter Malak et les Sith, je serai à vos côtés. Sinon, ça va? Salut. Que puis-je faire pour vous? Je fais très bon problème. Désolée pour la façon dont j'irai agir. C'est juste que j'ai tendance à m'énerver quand je parle de Lena. Pourquoi la laissez-vous à ce point? Mon frère et moi, on s'en sortait bien. Bien sûr, Griff avait quelques problèmes avec les lois de Taris, mais ça allait. Jusqu'à ce que Lena arrive et détruise tout. Elle était danseuse à la cantina où mon frère allait jouer au Pazak. Griff savait être charmeur et ça n'a pas été bien long avant qu'ils ne sortent ensemble. Mais Lena avait l'habitude de sortir avec de riches nobles tarisiens. Griff n'aurait jamais pu lui donner le style de vie auquel elle était habituée pour qu'il puisse faire. Est-ce que Lena... J'ai cru que Lena allait envoyer promener Griff en voyant à quel point il était pauvre. Et pour une raison quelconque, elle est restée. Elle a peut-être pensé qu'il allait réussir le coup du siècle. Peut-être qu'elle est mieux. J'ai vu clair en Lena. Elle n'est qu'une minette évaporée à forte poitrine. Elle n'en veut qu'à l'argent. Elle a utilisé Griff et m'a privé de ma seule famille. Après quelques mois de roucoulade, Griff m'a dit qu'il quittait Taris. Lui et Lena allaient essayer de faire fortune sur un autre monde. Il m'a promis que dès qu'il aurait assez de crédit, il reviendrait me chercher pour qu'on vive ensemble, comme des rois. C'était il y a 2 ans. Je n'ai pas... On le reverra, j'en suis sûr. Je sais même pas où... Sinon, ça sert à rien, cette anecdote. C'est le fameux coup du fusil de Chekhov, hein. Oh, je sais ce qui s'est passé. Dès qu'ils ont quitté Taris, Lena a refermé son étreinte sur Griff pour de bon. Elle l'a embobiné pour qu'il m'oublie. Je sais que je ne reverrai sans doute jamais Griff. Mais si je suis venue avec vous, c'est en partie avec l'espoir de découvrir ce qui est arrivé à mon frère. Ne vous inquiétez pas. Je ne compromettrai pas ce que nous faisons en cherchant Griff. Remettons-nous au travail. Je vais vous aider d'une quelconque manière. En quoi savez-vous sur ce sujet? Je ne pourrais pas vous dire grand-chose sur Dantooine. Je ne savais même pas qu'il y avait une académie Jedi là-bas. J'ai toujours pensé que ce n'était qu'une bande de colons et de fermiers. Désolée de ne pouvoir vous en dire plus. Je peux faire autre chose pour vous? Ouais, je voudrais parler d'autre. Ne vous inquiétez pas, je ne compromettrai pas ce que nous faisons. Ok. Comme vous voulez. Bon, ben, on augmente juste de niveau et puis on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Alors, salut, gain de niveau, vas-y. Caractéristiques. Alors, toi, c'est la dextérité. Ma petite discrétion. Sécurité, voilà, et démolition, dont
Alors, elle, qu'est-ce que je lui fais? Port de l'armure intermédiaire, science de la prudence, un bonus au jet de démolition et de discrétion. Vas-y, prudence. En mission, elle fait prudence, la la lance, y'a la lance. Il n'y a rien d'autre. Bon, bah, on a chacun son sujet de conversation, ces trois-là. En tout cas, j'espère que quelques vidéos vous a plu. On se retrouve prochainement pour nous, que j'aventure et rien qu'en gomme.